Chers spectateurs, nous continuons à vous faire plaisir avec nos vidéos sur la chaîne YouTube officielle. Nous sommes sur le territoire du BTUI Sovelmash dont la construction est en cours. Nous pouvons dire avec certitude que ce jour-là où nous tournons notre vidéo a été un jour très attendu. Je l'appellerai même solennel. Le fait est que le dernier carré du sol du rez-de-chaussée a enfin été coulé avec du béton. Cela signifie que le sol de ce secteur est presque entièrement prêt. Il ne reste plus qu'à effectuer les joints de déformation et à poser le carrelage sur les surfaces où cela a été prévu. Félicitations, chers amis. Pendant que les ouvriers prennent leur déjeuner, nous allons nous rendre dans une autre partie du bâtiment pour voir quels travaux sont en cours en parallèle dans cette zone-là. Nous tournons à nouveau notre vidéo derrière une grille, qui est un élément de construction d'ailleurs. Nous sommes au premier étage du bâtiment BAT. L'installation des cadres se poursuit. Des cloisons antérieures en plaques de plâtre et des matériaux insonorisants ont déjà été entreposés au rez-de-chaussée. Vous pouvez évaluer vous-même la vitesse des travaux qui sont en cours. Vendredi, il n'y avait rien de ce que vous voyez à présent sur vos écrans. Au deuxième étage, l'installation de l'écluse a commencé. Nos caméramans vous le montreront en détail. Comme toujours, il s'agit d'une journée très chargée sur le chantier. En plus de ce que vous venez de voir sur vos écrans, je peux noter que la réalisation d'une plateforme pour l'installation de l'équipement de ventilation et des systèmes de climatisation qui seront situés à droite du bâtiment se poursuit. Le quai de chargement-déchargement a déjà été coulé avec du béton, ce qui est vraiment merveilleux. Cependant, comme nous l'avons dit dans nos vidéos précédentes, tous ces travaux nous ouvrent de nouvelles possibilités et de nouveaux fronts pour effectuer d'autres travaux importants. Merci beaucoup pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à nos ressources et de rester au courant de l'évolution du projet Sovelmash. À bientôt.